Message reçu. Bonjour monsieur. Jean. Est-ce que je peux vous servir? Non merci, ça ira. J'ai mon garagiste personnel. Vous êtes de l'armée, monsieur? Vegas Sécu. Vous allez à Vegas là? Non, non. Tout le monde, hein. Je suis un peu pressé, le serveur a mis du temps à redémarrer à cause d'une mage. C'est quoi ces coups de feu à la con là?
Donc, je vous préviens juste, cette Ah, personne, d'accord, je la ok, connais très nice. très peu. Hein. Je connais le D'accord. nom sur le site du Nord. Ah Donc, oui, voilà. mais je j'étais ancien gendarme aussi. Je l'ai gagné. Ah, Peut-être putain, pour un j'ai service froid. 2, peut-être, je sais pas. Moi, je vais voir ça avec le recruteur. Bonjour. Voyons Ah, voir. bonjour. Allez, bonne journée. Je suis Bonne le journée. témoin de l'essai, voilà. Vous êtes monsieur Alexandre. Lipson, ok. Ça. Tiens, ils sont pas venus. Ah ben, tant mieux si vous avez pu être disponible. Ah oui, désolé. Excusez-moi, Vous là. pouvez vous porter. J'ai un coup de froid. On est Pas chef. habitué au climat du pays. Ah, c'est juste que j'ai froid. Je suis pas bien, là. Je tremble. Hein. D'accord, mais. Pas de recrutement aujourd'hui, hein. On s'occupe de nous ou on tue le chien? Attendez, sûrement en train de régler ce corps vocal. Bonjour. 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 Bon, pièce d'identité, s'il vous plaît. Alors. Bon, monsieur Gryffondor, vous venez pour une plainte, c'est ça? Ça exactement. Et vous aussi? Ah, Ah bah non. moi je suis témoin en fait. D'accord, bah venez. Je vous demandais de mettre les mains sur la tête pour procéder à une fouille avant de Moi rentrer j'ai une arme dans. à feu, monsieur. Mettez là dans le véhicule alors. Dans mon véhicule. Je vais faire de même. Oh bah je suis gênant là. On peut pas nous le voler, hein. C'est bon, hein, monsieur O'Neill, vous pouvez baisser les mains de la tête. Putain. Est-ce que genre, moi j'ai tremblé un petit peu là? Alors. Comment? Merde. Attendez. Oh. Vous inquiétez pas, il a pas fait exprès, mon ami. C'est bon? Bon, vous pouvez rentrer. Alors attendez. C'est bon, suivez-moi, on va monter dans les bureaux. Asseyez-vous. Alors. Alors, donc, c'est pour la plainte de monsieur Griffon. Oh, oui. Hop. Comment? Plainte contre la gendarmerie nationale. Donc. Que je relis vite fait la plainte histoire que ça revienne et puis on pourra commencer. J'ai un petit problème de radio. Excusez-moi, messieurs, vous m'entendez bien? Oui, on Oui, vous entend. parfaitement. C'est juste que j'avais un petit problème de radio. De corde vocale. Donc, si je résume bien, que je me trompe pas.
Vous avez été arrêté suite à un braquage. Un braquage commis par un de vos amis, c'est ça? C'est ça. Oui, enfin, ami, c'est un bien grand mot. Une personne que j'ai rencontrée et avec qui je sympathisais pendant un petit moment sur l'île. Très Et rapide, vous là. étiez dans le même véhicule que lui. Ah oui. Et c'est cette personne qui a braqué, qui a ensuite été Ah bah neutralisée par les tu... forces de gendarmerie. D'accord. En gros, on vous explique. Donc, Don Exactement. était dans la voiture, on dormait. Pour les circonstances que j'ai expliquées à votre collègue, on fait un petit tour sur l'île en ce moment. Donc, pour découvrir cette île, on fait des randonnées, tout ça. Et donc, la personne nous a bien gentiment proposé de venir avec lui pour faire le tour de l'île. Et quand on est monté avec lui, on se reposait et on a entendu qu'il braquait une personne. Et voilà. Et donc, nous, on n'a plus rien faire. On voulait sortir du véhicule, on ne pouvait pas. Il avait tout verrouillé et on a failli mourir, quoi. Ah, ça c'est pour toi, parce que moi j'ai réussi à partir du véhicule juste Voilà, avant. toi, tu as réussi à partir et pour moi, je n'ai pas pu. C'est pour ça que moi j'ai voulu me rendre vers les forces de l'ordre. Parce qu'en fait, bon, on a. Étant donné, je me suis rapproché après de. Enfin, après la fusillade, je me suis rapproché des forces de l'ordre présentes. Et on entendait donc la victime était l'heure en fait. C'était des agents de sécurité qui faisaient exprès parce que bon, pour l'instant, il y a pas mal de braquages dans la région. Et Oui. je me suis. Je m'étais éjecté un petit peu, je m'étais rapproché simplement auprès des forces de l'ordre. Je pense que si des motards qui étaient présents se souviennent encore de la scène, bah, ils pourront dire que je suis arrivé par après. Je m'étais Oui. éjecté du véhicule, j'étais dans un sale état, mais j'ai quand même voulu venir pour éventuellement témoin de la scène. Voilà. En fait, j'étais arrivé en tant que témoin, quoi. Voilà, et Simplement. donc moi j'ai été acquitté, donc je n'ai pas eu d'amende ni de peine, et mon collègue qui était ici, exactement, il a fait les mêmes gestes que moi, il n'a rien produit de dangereux, de criminel, lui a une somme de 500 euros, il me semble. Ah non, j'ai 30 000 récupéré euros et 30 000 accusé de euros. complicité de braquage. Exactement. Alors qu'il s'est rendu à la police en disant qu'il était témoin, et voilà quoi. Donc, vous qui n'avez pas eu d'amende, c'est quoi votre nom, s'il vous plaît? Et votre prénom? Moi, c'est Aziza Elipson. Donc, Bon, je n'étais pas d'accord. armé. Mon ami, lui, avait une arme et il ne s'en s'est pas servi. Il ne l'a pas utilisée et il ne l'a pas pointée sur la personne victime. Donc, nous, on est victime d'un braquage. On ne peut même pas sortir du véhicule. Enfin, mon collègue, si, pas moi. Et voilà quoi. Et Donc, plutôt, mon collègue a eu si... cette amende et ce procès, Attends. du coup. On laisse parler, Voilà, donc si vous monsieur Elipson. permettez, monsieur l'OPJ. Donc, en fait, monsieur m'a contacté parce qu'il a été accusé de complicité de braquage par le gendarme Elias Salvetta, qui, Comment pour vous lui... avez eu le nom de la personne, vous êtes sûr? Bah, c'est mon client qui me l'a donné. Hein. C'est Il nous Monsieur a présenté sa Salvetta, il nous a plaque. bien donné la plaque d'île, enfin sa carte D'accord. de police. Donc, Bon. dans les faits, pour faire condamner mon client, le gendarme prétend que monsieur Ellipson l'a accusé de tout. Et du coup, Alors que c'est totalement faux. de ce prétendu témoignage, le gendarme Elias Salvetta a accusé et condamné mon client. Et qui, malheureusement, monsieur Ellipson, qui est ici présent, affirme et confirme et témoigne qu'il n'a jamais accusé mon client. Après, peut-être que la confusion de Monsieur Léo, qui est décédé sous les circonstances, il a peut-être confondu avec Monsieur Godric, et donc il aurait pu confondre. Mais je trouve ça vraiment très très étrange. J'avais bien insisté sur la personne qui était décédée. Vous avez le nom de la personne qui est décédée, qui a braqué? Un Oui, prétendu Léo, Monsieur Léo. ils ont pas de nom Le nom. précis. Il s'est pas présenté, il leur a pas présenté de pièce d'identité. Comment vous m'avez dit Léon? Léo, Léo. il se prénomme Léo, Monsieur Léo mais il y a aucun. Marana. Marana, t'as le numéro? Marana. Oui, il est Ah, encore si dans t'avais mes le, toi t'avais contacts. le nom, ok. Il est Le encore dans mes Marana. contacts, Monsieur Vous avez son numéro Léo. de téléphone? Ah, de toute Oui, façon, j'ai son numéro maintenant, de ça. téléphone. Peut-être Pour qu'on peut contacter retrouver sa son. famille un jour. Confirmer son nom avec son numéro. Alors, son numéro, c'est le 01 Oui. 45 27. Vous l'avez rencontré comment? Moi, Monsieur Léo Manora, en fait, mon père s'était suicidé au haut d'une tour.
C'est une des seules personnes qui le connaissait sur l'île, et donc on s'est connu de là, quoi. Mais je le connaissais vraiment depuis 4 jours avant le décès. Voilà, et moi je l'ai rencontré alors que je traitais du charbon, que je vendais du charbon sur la ville, on peut vendre le charbon, quand une sirène a retenti et il est venu me tirer de là parce qu'apparemment c'est quand il y a des rebelles qui arrivent. Il m'a dit que je voulais pas être pris au piège avec ces rebelles-là. Et du coup il m'a sauvé et du coup on a un peu sympathisé dans la voiture, mais on a juste fait le trajet jusqu'à Valhalla, quoi. D'accord, et donc au final, vous demandez d'être incriminé, vous demandez pas une compensation financière Il ou me quoi demande pour les juste la dégâts de l'eau? suppression de la complicité de braquage qui est non avenue puisque c'était pas ces messieurs-là qui avaient braqué la personne, c'était Monsieur Léo. Après, si vous voulez donner une petite compensation financière, pour ce qui est juste par exemple des frais d'avocat, ben là. Pourquoi pas, quoi. Après, je demande rien. Pour tout ce qui est de l'amende, etc., ça m'apprend. La fourrière de mon véhicule, ça m'apprendra à faire confiance à n'importe qui. Les frais d'avocat, j'étais voir Monsieur O'Neill aujourd'hui. Voilà, je me suis décidé d'aller le voir pour être sûr, et voilà, simplement. D'accord. Alors, donc, nous, de notre côté, on va convoquer Monsieur Salvetta pour avoir sa version des faits. Et suivant comment ça avance, on vous serait reconvoqué plus ou moins rapidement et on reparlera de l'avancement du dossier, ça vous va? Très bien, très bien. Pour moi, ça va. Parfait. Vous avez d'autres questions? Excusez-moi. Non, tout va bien pour moi. C'était plutôt clair. Non, pas d'autres questions pour ma part. Bien, donc je Donc, finalise nous ça. confirmons bien que toutes les paroles qui ont été dites sur la personne qui a braqué étaient bien Monsieur Léo et non Monsieur Connerick. Pour la confusion peut-être de cet agent de police. Agent de gendarmerie, monsieur. Ah oui, agent de gendarmerie, excusez-moi. C'est bon. Bah, je vous raccompagne jusqu'à la sortie, messieurs, si c'est bon. Godric? Allez-y, maître, allez-y. Merci. Allez-y, Allez-y. maître. Ah, tu m'accompagnes jusqu'au traitement? Ah oui, bien sûr. Juste me faire un petit plein d'essence avant et puis Oh, y a pas de problème. j'accompagne. Putain, il cale dans ce pays de merde. Vache. La chair de poule. Allez, Je disais. et lui c'est monsieur, mais il vous donnera sa carte. Merci, monsieur l'OPJ, hein, bonne fin de journée. Merci Avec beaucoup. plaisir. Au Bonne revoir. journée à vous, monsieur. Ah, monsieur Nil? Oui, on va procéder au paiement Je maintenant? suis On va passer officier là-bas. civil. Là-bas? Ok. À la station. Qu'on va. On va y aller à pied et on reviendra ici chercher nos véhicules après. Ouais, un petit blanc de genêt. Bon, ça, on s'est bien de, on s'est bien sorti quand même. Alors, on verra, mais normalement ça devrait aller, je pense. Oui, je pense quand même. Et je Là, pense. monsieur Nil, un pressentiment, oui. Oui, je pense que s'il y a juste une erreur de compréhension du gendarme en charge du dossier, il y a possibilité que ce soit résolu. Toute façon, je vois que ça comme circonstance, hein, monsieur. Voilà, comme vous avez le témoin qui confirme qu'il ne vous a pas accusé, oui, ça peut que s'arranger. Très bien, très bien. Vous nous Combien avions de dit, combien? monsieur? Combien? 100 000. Ok, de fortes chances que vos frais de justice vous soient remboursés si l'erreur est comprise. Ah bah non, normalement ça devrait aller. Vas-y, Godric, j'avance, ok? Voilà. Merci bien. Au revoir, maître. Dans un Bonne ordre. journée à vous. Allez, au Au revoir, revoir. maître. Merci beaucoup. Hein. À la prochaine. La prochaine.
Voilà. Allez. Ça c'est fait. On va retourner se remettre en sécu. Et on va retourner sur Vegas. Ben voilà. Même pas une dizaine de minutes, quinzaine de minutes. Alors, on enlève ça, on reprend ça, on prend ça. Ça, 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 et ça. Alors, les équipements, le sac. Ensuite, qu'est-ce qui me manque? J'ai tout. Stuff sécu, c'est bon. Changer de bagnole.
Ah, maintenant, faut se farder la route jusqu'à Vegas. Sortir une citerne parce que là, on peut pas aller loin. Va falloir se farder la route jusqu'à Vegas. Pourquoi j'ai pas appris à piloter des hélicos? Oui, pourquoi je me suis pas acheté un? C'est marrant de rentrer à Vegas avec la citerne. Je sais même pas si j'ai réglé mes fréquences. Non, j'ai pas réglé mes fréquences. Le volume.
Bon, on va attendre que tout le monde arrive. Alors. Messieurs, c'est moi les copains aussi. Juste me déposer chez moi, en fait j'ai plus d'essence. Et je passe d'un garage, je peux juste ravitailler mon hélicoptère ou pas. Gendarmerie, vous pourriez venir à la Pascavala, s'il vous plaît, il y a un litige. CV pour gendarmerie, vous pourriez vous rendre à la place de Cala, s'il vous plaît, il y a un litige. Civil pour gendarmerie, merci de venir, sale merde. Civil pour gendarmerie, s'il vous plaît, merci de venir sur la place Kavala. On vient de battre quelqu'un, on n'aimerait pas se faire choper par vous. Putain. Ah, t'es d'accord, le mec il a forcé quand même là. Le gars il a forcé, il a sorti son âme et il s'est fait abattre, excusez-nous. Bonjour. Bonjour. Oh, mais c'est monsieur O'Neill. Ouais, ça vous donnait pas le droit de l'abattre quand même, hein. Je suis désolé monsieur, il a essayé de nous écraser et de faire péter notre véhicule. On a tiré dans les roues, il a demandé de descendre. Il a commencé à essayer de nous tirer dessus, on l'a abattu. Bon, dans quelques minutes, je te retrouve là où tu divinités. Ah bah y'a pas de soucis, c'est quoi? T'as bien vu comment il a forcé? Vous avez vu ou pas comment il nous a rentré dedans? Non, malheureusement j'ai rien vu. Ah bah, de toute façon c'est pas grave, je suis pas quelqu'un de menteur ou quoi. Allez hop, un col de piton. Prends la Skyline, on l'amène à la gendarmerie, ça va être sur le gars. Ouais. En plus, il a les roues cassées et tout. Attends, je prends les photos.
Attends gros, je la répare. Attends gros, je la répare. J'ai rien compris à ce qui s'est passé. J'étais sur mon téléphone en train de... Ah, doucement monsieur, doucement. Il y a des témoins. Monsieur. Monsieur. Vous avez entendu des coups de feu ou quelque chose? Non. Je viens à l'instant d'arriver sur le leader. Personne qui a entendu des coups de feu. Si, si, il y a eu deux individus qui ont sorti leurs armes et qui ont battu cette personne qui les menaçait de leur arme, de son arme, après qu'il leur soit rentré dedans. Et ils sont partis normalement en gendarmerie déposer le véhicule de la personne allongée là-bas. Ah, il me semble que c'est bien le véhicule bleu, non? Tout à fait. Ouais, c'est bien ça. Voiture de sport bleue. En fait, monsieur. Audi, là. Chemise blanche, elle vient de passer devant vous, la voiture bleue. Audi R8? Ouais, Audi R8 bleu, oui. Oui, c'est bien ça. C'est pas celle qui vient d'arriver, c'est. C'est lui qui a tiré. Ça vous donne. C'est. Oui, c'est la personne qui est en montée dans ce véhicule qui a ouvert le feu. Ok, j'en peux, je sais pas si l'info. Donc, d'après les témoins sur la place. Bonjour, excusez-moi de déranger. Oui, bonjour. Vous auriez de la place en voiture pour m'amener au champ de pêche, s'il vous plaît? Pêche? Oui, je viens d'arriver en fait et je cherchais un petit boulot et on m'a dit que vendre des pêches ça rapporte un petit peu. Et j'ai... Malheureusement, j'ai pas le permis de conduire et j'ai pas les moyens de me le payer donc du coup, je cherche un petit peu des taxis à droite à gauche quoi. D'accord, bah, c'est écoutez, pour l'instant non, mais d'accord. Peut-être tout à l'heure. D'accord, c'est pas, là. Pas de problème, merci à vous. Merci à vous. J'en ai, au revoir. Messieurs, il s'est passé quoi ici là? Une fusillade. Bonjour, la personne allongée ici est rentrée dans un véhicule noir avec une Audi R8 bleue. Quand ces messieurs lui ont demandé, puisqu'apparemment cette personne les faisait chier depuis un moment, quand ces personnes lui ont demandé de se calmer, il a sorti son arme et ils ont riposté. Voilà. Donc apparemment ils étaient partis avec l'Audi R8 bleu, gendarmerie Cavala pour vous la ramener. Maintenant est-ce qu'ils y sont allés, je ne sais pas. Ok. Bah écoutez monsieur, je vous remercie.
Non. Oui. Au revoir. Au revoir. Putain, il y a trop de monde sur Kavala. Ça frise presque. En plus, j'ai même pas vu ce qui s'est passé. Je sais qu'apparemment il aurait rentré dedans, mais. Bon, moi je continue. T'es où, mec? Tu m'entends là ou pas? Tu m'entends? Allô, allô? Ouais, c'est bon? Tu m'entends ou pas? Ah, nickel. Ouais, ça a très bugué, désolé. Hein. Ah, tu m'entends pas fort là? C'est mieux là ou pas? Attends, attends, je règle le truc. Ouais, tu m'entends mieux là ou pas? Tu m'entends mieux là? Attends. Masse looted, c'est un braquage. Tiens, ça marche pas, tout le monde s'en bat les couilles. Qu'est-ce que ça fait, gros? Amène-le, ouais, au pire. Non, 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 attends, il y a plus que le civil, il est là, laisse-le là. Tu le ramènes au Jean-Jean, ramène-le au Jean-Jean. Je suis désolé, je dois faire des trucs importants là pour le roleplay du pour mon roleplay. Donc je dois modifier des choses sur le site du par rapport à mon cabinet d'avocat. Donc je suis en train de le faire. C'est sûr, c'est pas très folichon, pas très facile, mais je dois le faire et je dois m'absenter 2 secondes.
Là, j'ai en fait de l'administratif à faire dans mon roleplay. Bonjour. Bonjour. Vous êtes perdu ? Non du tout, je profite du soleil. Je sais pas parce que j'ai cru comprendre que vous étiez un des mercenaires de la Vegas. Et du coup, je me suis dit que Vegas c'est loin d'ici, alors je sais pas. Déjà, nous ne sommes pas des mercenaires, nous sommes des agents de sécurité, monsieur. Et ce n'est pas parce que Vegas est loin d'ici que nous n'avons pas le droit d'être présents ici. Vous êtes tout seul. Oui, j'attends mes collègues. Pourquoi cela vous dérange ? Oh, aucunement, aucunement. Ah, il y a un corps ici. Un monsieur avec une cagoule. T'as vu que ça s'est mal fini pour lui. C'est Edouard. C'est Edouard. T'as beau changer ta voix, mon pauvre Edouard, j'ai reconnu le timbre de ta voix. Je suis sûr que c'est toi. Je suis sûr que c'est lui. Appel à la gendarmerie de Cavada, nous avons un blessé par balle sur la place principale.
coup pour le talent de feu. M900 approche d'Europe 4 pour export d'aération d'atterrir. Oui, quoi, yeah. Voilà. Bonjour. La gendarmerie de Kavala, s'il vous plaît. Gendarmerie à l'écoute. Nous avons un blessé par balle décédé sur la place principale de Kavala, homme avec une cagoule, et en slip. Ah oui, affirmatif, elle est là depuis longtemps, les pompiers ne peuvent rien faire. Ok, très bien. Merci. Il y a un mec qui est pas sûr. On fait le petit rituel, bien. Faut faire le petit rituel avant de déposer l'argent. Oula. Je suis juste allé acheter de la bouffe en fait. Et les mecs ils s'arrêtent devant toi, ils te regardent, ils disent rien. C'était les deux qui ont battu le gars. Moi ça m'intéresse un peu. Ça t'arrive, tu peux pas me parler là ou quoi? Ah vas-y, j'aime pas les gens qui me voient. Ah cousin. Tu es encore là, monsieur O'Neill? Tout à fait. Vous attendez du monde? Pardon? Vous attendez du monde? Exact. Je peux vous offrir quelque chose, monsieur? Non merci, ça va aller. Non merci. Et toi,
pistole, sa caméra à ma gauche. Mmh. Allez, pas à vous, je parle à monsieur qui est à ma gauche. Mmh. Hey, Jean-Michel. Mais en fait, c'est pas mon copain. Jean-Michel. Ah ouais. Ça te dit on bouge un peu? Bah ouais. Ça te dit on va braquer un peu des mecs? Salut Seb. Ouais, la forme. Et toi? Bah là je suis en train d'attendre les gars de la Vegas, mais ça fait... Nah, vas-y, bien. Un bon petit moment là, depuis 9h moins le quart. 45 minutes. Apparemment JP fait la coquette de nouveau. Et j'étais sur Kavala parce que j'avais une affaire d'avocat à régler, un rendez-vous au PJ. Qui s'est passé assez rapidement. Donc là j'attends les cocos. Et ensuite une bonne nouvelle pour mon cabinet d'avocat, je passe notaire aussi. Ah ben tranquille, c'est bien, tant mieux si ça va bien. Ah tu nous manques un peu hein. Bah moi en tout cas tu me manques un peu hein, qu'on te voit pas en ce moment. Ton petit lèche-moi les couilles qui manque. Sinon qu'est-ce que tu fais de beau Seb en ce moment? Il me manque aussi Seb. Mais toi, qu'est-ce que tu fous là? D'après ce que j'ai compris, c'est, vous êtes toujours pas à Kavala parce que tu mets du temps à t'habiller. 45 minutes que je vous attends. Hein. Alors je veux pas spoiler, hein, mais. T'imagines le tarif? C'est pas 50 000 les 5 minutes là. Hein. Allez, je vous attends depuis tout à l'heure. J'aurais eu le temps de faire deux allers-retours. Kavala Vegas. Ça c'est vrai que les mecs qui les cadavres qui disparaissent pas au bout d'un moment, c'est un peu chiant. Ouais, je sais que tu faisais ta coquette, Ezra l'a dit. Ah mon briquet qui est nouveau mort. À 7 days to die. 7 days to die. Ça me dit quelque chose ce jeu. Je crois pas que je l'ai. Je crois pas. Ouais. Parce que 1 c'est peut-être un peu léger. Ouais. C'est un jeu de survie. Bon, au titre, j'aurais deviné, Seb. 7 jours pour mourir. Salut. Tout à l'heure, j'ai ressorti mon SUV avocat. Je me suis foutu en civil, ça faisait longtemps. Excusez-moi, monsieur, vous êtes qui? Quelqu'un. C'est la PRS. Monsieur. La PRS. La BRS, ok. La PLS, il y a des deux. Tu galères un peu à sortir, hein. PLS, ouais, attends, deux secondes, on m'appelle là. Un Sign à la Rust. À l'huile. Ok. Bonsoir. Oui, le map TV, oui. C'est moi. Oui. Oh, le temps qu'ils mettent pour venir, j'aurais eu le temps de faire deux allers-retours. Vous êtes un bon viticulteur en complexe média, si tu veux. Ah. Ben voilà ce qu'il fallait faire. Mmh.
Je crois pas que je l'ai dans ma liste de jeux celui-là. Bon, Jean-Michel, on va se retirer. Ouais. Il y a R à faire. Ouais. On vous embête pas, messieurs, au revoir. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Moi j'aurais su, je serais resté en avocat, j'aurais fait la promotion du cabinet. Faut que je me fasse faire un logo de notaire. Vous avez froid à la gorge, monsieur, vous êtes malade? Non, du tout. Ah, d'accord. Vous camouflez votre identité? Non, j'ai pas peur de mon identité. Mmh. Ah bah quand même, vous vous rapprochez de Kavala, il était temps. Quand j'ai pas fini de se faire belle, ouais. Ça devrait être interdit, c'est un Belge qui est coquette. Oh bah c'est avec tout l'argent qui vole aux intérimaires. Ah c'est pas faux. Chaque fois qu'on regarde dans les carreaux, certaines voitures, on les voit transparentes. Mais respect, adjudant. Respect, adjudant. Tu bosses, hein? Ouais. T'as vu où tu bosses, toi? Ouais. Mais respect, maréchal. Hein? Ah, il m'a pas entendu. Respect, soldat. Foiste vent. Respect. Mais respect. 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 Repos, tout le monde. Respect, adjudant. Respect, maréchal. Repos. Respect, adjudant. Derrière. Mais respect, la petite coquette. Ah oh là 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 là, 40, plus de 45 minutes que j'attends, hein. Je te dis pas, hein, si je... J'étais sous la douche, et tant que je me lave, et qui gère la loi. Ah ouais. Ouais. Et ça, tu rémunères 50 000, c'est ça. Tu vas la fermer avec ça, merci. J'ai 20 ans en avocat, merci. Ah bah, je m'en doutais bien, hein. Tu connais mes tarifs? Ils ont augmenté depuis aujourd'hui. Par hasard. Ah, t'as de la chance, les tarifs d'avocat n'ont pas augmenté. Ah tiens, j'ai l'honneur de vous informer, mon maréchal, que je suis notaire. Hein. J'attends l'accréditation du gouvernement. Qu'est-ce qu'il fait pas pour avoir de la diffusion celui-là? Les prostituées, tu passes quand? Ah non, je voudrais pas voler ton métier privilégié. Hein. Oh. Ah, non, et d'ailleurs, est-ce qu'il paraît, là, sur le trottoir, il y en a beaucoup qui demandent. Ah, il y en a qui l'empêchent. Cadavre, reporter.
Je pense que ça va être... Ouais, il a été... Oui. Desséché. Écrasé. Non, 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 il a été abattu. Battu sur la place, là, devant toi. Ouais, ouais, il est rentré dans des... dans deux individus. Les deux individus sont descendus pour demander des explications. Et il a sorti son arme et il s'est fait abattre. Tranquille. C'est que t'aurais pu fumer les deux mecs. C'est oui, oui et oui et non, parce que j'avais pas tout vu. L'ont pas raté. Ah bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Oui, tu l'as ce jeu, mais tu l'as pas vu longtemps. Mort de rire. Ah bah voilà, c'est pour ça que ça me disait quelque chose. Il me semblait bien que je l'avais. Ah ouais. J'avais dû l'acheter pour le tester, mais j'ai pas. Ah ouais ouais. J'ai pas vous aider. Ouais, effectivement. Il y a quoi? Je ne comprends pas. Est-ce que vous m'expliquez, s'il vous plaît? Ah, mais il change de position. Bah, non, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous rigolez pas? Il est décédé sur l'action ou pas? Non, mais sérieusement, non. Là, c'est pas marrant. Non, non. Donc, il est parti. Vous avez fait comment, monsieur? Okay. Pardon? Il n'avait pas le même visage. Ah, je me nomme Max Bamako, monsieur. Ah, votre carte. Ah oui, il a... Ah, bougez pas. Voilà, monsieur, s'il vous plaît. Ah, c'est Max Bamako. Ouah, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Rien. Bah, je sais pas, vous rigolez, là, comme ça. J'ai l'air de rigoler. Bah oui, là, vous êtes en train de rigoler, là. Je crois que c'est à cause de mon accent, là. Vous m'avez déchuté. Moi, je rigole. Non, je rigole jamais. Si c'est pas. Parce que je suis noir, monsieur, il faut la dire tout de suite. Hein. Je vais pas que prenne la gendarmerie en plus. Bien sûr, et moi je suis arabe, il rigole pas. Hein. Là, monsieur, là, c'est la différence de la couleur de la peau, pas de la rigueur. Et alors, monsieur, j'ai la même couleur de peau que toi, quasiment. Il n'y a pas de racisme. Monsieur, il n'y a pas de racisme, monsieur, il n'y a pas de racisme ici. Donc, Ouais, j'ai ça, monsieur, mais c'est juste pas là que vous me cherchez pas les problèmes. Moi, c'est moi qui vous parlais, monsieur, et moi je rigolais pas. D'accord, bah, si mes agents rigolent dans leur coin pour autre chose, ça va être pas normal. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Voilà. Moi, bonjour. Personnellement, je sais pas si vous trouvez ça normal, là, mais il y a tout le monde qui rigole là. Hein. C'est dur. Bonjour. Allez. Voilà quoi, c'est vraiment bizarre. Bah, ouais. T'as mal les couilles. Ça va? Salut, Rusty. Regardez-moi ça, là, c'est n'importe quoi. Par pas le bête, forcément, c'est moi. Yo, ça les gars? Ça va. Okay. Moi, je suis un peu sur le côté. Ouais, c'est fait exprès. Ouais, c'est l'arme, elle est un peu trop longue, quoi. Et t'es petit aussi. C'est comme ça. Ouais. Bah déjà quand t'as prononcé mon prénom. Ouais d'accord. Non. Vous avez vu monsieur comment les chemises blanches il parle? Putain de sa mère. Hein? Est-ce que vous me trouvez beau comme ça avec la statue? Bravo. Allez, on va t'attendre Serflex et puis c'est bon. Oh là là, tu veux que je te prenne en photo peut-être? Regardez, on dirait des champignons. Ah, je suis avec mon armée privée là. Ah, les petits champignons là. Putain, je mets ma tête dans ses seins. Rouge et vénéneux. Arrêtez, c'est la première fois qu'il en touche. Enfin, qu'il envoie du moins. Oh. Donc monsieur, au lieu d'apprendre un café, je me suis dit pourquoi pas chacun. Ah, tu peux parler moins fort, s'il te plaît. Ah ouais. Attends, je te reprends un photo. J'apprends la victoire, j'ai pas. Eh, je repère, t'attends le cerf-flex. C'est un champ de coton, lui. T'attends le cerf-flex. Le mec fait un statut, là. Ah, non. J'oserais pas, je pense. Pourquoi t'oserais pas? Sur un film, tu t'attends. C'est la bombe. Tu vois, les orages, j'ai toujours dit que c'est pas en dessous. Ah, mais tu sais pas ce qu'il fait le soir quand il y a personne sur la place avec l'épée de la statue. Qui? Vous voulez un statut? Lui, là, Mamadou. Quoi? Mamadou. Ah William, je sais pas si tu sais, mais JP fait des promos, 1€ le trajet. Hein. Si tu cherchais de la merde, moi tu m'as la dit. Ah merde, on a perdu en promotion, Romain Escobar. Je t'entends, toi, Bidou. Bah, je sais que tu m'entends. Ah, si tu veux, je peux te faire un acte notarial. Hein. Non, mais j'ai pas besoin de ça, j'ai juste besoin d'un avocat. Vas-y, t'inquiète. Oh, bon, ah, bah oui, je suis ton avocat, tu le sais. Ça marche.
Mais t'inquiète, on va trouver. T'as des témoins que t'avais expliqué bien les tarifs. Exactement, Théo, t'es là, il peut le confirmer. Bah t'avais Théo et t'avais même monsieur Kendrick qui était présent. Exactement. Tu vois, comme quoi moi mes oreilles je les ai bien débouchées avec la coton-tige. Tu veux dire quoi par là? Ah bah que quand moi on m'explique des choses, je retiens tout. C'est mon boulot d'avocat. Je retiens. Mais non, quand je te demande une liste de témoins, tu me donnes que un témoin alors que je sais qu'il y en a deux. Ouais, moi j'étais témoin. Et je suis même sûr que t'as le pilote de l'avion qui était témoin. J'étais témoin. Ah oui, et puis le général il était en train d'inspecter mon entrepôt, il a tout vu et tout entendu. J'étais là, moi, j'étais témoin. D'accord, ok. Soyez témoin. Ah oui, je confirme, hein, il inspectait mon entrepôt. Hein. Allez, bouge mon cul. Je suis pas sûr que passer après Russie soit une bonne chose au niveau des. Voilà, oui, ça reste comme ça. J'avais oublié. Il a pas eu le champ. C'est même plutôt risqué. De quoi? Mais écoute, là, c'est là maintenant. Aucune idée, franchement, je sais pas. Si tu veux, je vais t'en chercher 15 comme ça. Tu vas faire 5000. Tu me donnes 5000 d'abord. L'arnaque. Jean-Pierre, ta gueule. Tu veux qu'on parle d'arnaque, Jean-Pierre? Ouais, je peux y aller dans l'arnaque ici, c'est pas eux, c'est toi, j'ai l'impression. Hein. Alors bon. Tu veux parler d'arnaque, Bouche? On peut lancer le projet. Vas-y. Ah bah moi, Bouche, serais toi, je me calmerai parce que je crois que mes petits papiers me disent. J'ai pas un procès. C'est pas lui qui a un procès au cul, c'est Vegas tout entier, j'ai envie de dire. Non, rectification, il n'y a qu'une seule personne, hein. Il a la pistolet, s'il vous plaît, monsieur. J'ai pas vu de pistolet. Non plus, j'ai pas vu. Il a la pistolet. Arrête non, ça. Excusez-moi, monsieur, mais j'ai rien vu, moi. Non, mais là, faut m'expliquer. Si tu cours, c'est là-bas. Le mec, il fait quoi, il court? Non, mais écoute, t'inquiète pas. C'est ça sera rien de chercher à comprendre. Non, mais moi je veux juste te tâton de serpent que j'emmène au flic et puis bah ça. Hein, ouais, mais. Il a dû travailler dans des plantations d'ananas, c'est ça? Ouais, il a plutôt des bananes, non? Non, nous on sait pourquoi on parle de plantations d'ananas. Ce serait rien de tâton de serpent. Ah bon, alors expliquez-moi. Il va partir, tu fais ça. Il aura quelque chose à faire. Il va revenir de quoi? Il va glisser sur son. Dire oh! Son téléphone, tu vois. Je dois partir! Ah d'accord. Ah non, c'est pas sur son téléphone que ça va glisser. Son cerveau. Hein? Appelle-moi Mamato, je te nique ta race, c'est bon. La violence. Eh bah tu reviens, tu recours à pied, t'es parti courir derrière Mamato, tu cours à pied derrière. C'est pas mon souci. Elle est dépêche. Il revient là, monsieur le maire, il veut dire 2-3 mots. Mais ça pleut encore. Monsieur le maire, il veut dire 2-3 mots parce que tu fais. Ouais, c'est un Maxi, papa. Ah bah oui. Attends, que je me souvienne. Il en connaît beaucoup de maires ici? Dites-lui, s'il vous plaît. Non, mais insultez-le, s'il vous plaît, le guignol. Ah, là, c'est la merde. Ah, c'est bon. Max Bamako. Ouais, Max. Ah, ok. Il a touché Couronnes. Arrête de faire le malin là, après ta mère elle va encore t'engueuler, de pourrir de flambé et tu vas pleurer. Ouais, c'est vrai. Maman, ramène-moi du flambé s'il te plaît. Par contre, qui c'est le mec chauve là? Parce qu'en fait il me stresse lui. Ouais, voilà. Monsieur, excusez-moi, mais vous, je crois que vous stressez mon collègue. Vous savez à qui me fait penser? La gendarmerie. Non, dans un film, tu sais, il fait peur là, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, j'ai pas peur, mais qu'est-ce que dis-je faire? Toi, quand on voit ta gueule, on a plus peur, c'est clair. Mais bon. Moi, je suis vers la terre, pour la pêche, c'est une arme. Ah, j'adore comme est. Attends, tu me penches. T'es à ma maison. Très bien, je suis là, je pourrais aller voir le. Bon, messieurs, vous pouvez me faire une démonstration de AK, s'il vous plaît? Je pense que c'était une voiture noire. Ah ouais? Après, je suis pas sûr. Non, on vous a pas demandé votre avis, vous. Pourquoi? Adam il a fait un décret sur Kavala, ils ont pas le droit de faire le travail de la gendarmerie sans que la gendarmerie leur ait demandé. Là ils sont en train de gérer une prise de tâche sur la 30, je sais pas quoi.
Bah, ils ont pas le droit d'avoir l'arme en main aussi. Oh. Non plus, non. Attends. Je t'en fous, t'es un soldat du LPA. Mais toi, je te parle. Moi ? Ah putain, sur le moi. Ta gueule. Je préfère ma mec tout. Eh, vous voulez pas lui dire qu'il est chiant ? Hein ? Vous voulez pas lui dire qu'il est chiant ? Je suis 500 000 à celui qui dit qu'il est chiant. Mais bien sûr qu'il est chiant, c'est un sale con. Chiant. Voilà. Ah, là, pour 500 000, il y a du monde, hein. Hein ? Ah, voilà. Bah, c'est Jean-Pierre qui régale, voilà. Moi, j'ai rien fait encore. Bah, justement. Ah, je suis peut-être déjà un peu trop. Oh, il a de l'argent maintenant, il fait des économies sur le sel. De toute façon, à Vegas, on fait du vent organisé à main armée. Exactement. Ah ouais, cool. Ouais, j'ai vu ça et moi je suis pour la personne qui a porté plainte hein, parce que ouais. Yes, c'est que des vrais connards. Vas-y, venez, on commence avec monsieur propre là. Bon, moi j'allais faire du cuivre parce que je suis boss. Vas-y, viens, tu sais quoi, on va faire du cuivre en quad. T'es baisé, toi. Dites-moi, monsieur le maire, vous accepteriez une autre J-Orbit comme cadeau? Non, j'en ai déjà deux. Ah merde. Ah, des R8, non, ça pue. Ouais. Ah, tout à l'heure, il y a un gars, il a essayé de faire le bois avec nous, bah il a perdu son autre R8. Et il est partagé, je crois, là-bas, il ramasse le sol. Ah non, il y est plus. Il mangeait le sol tout à l'heure. Ah, dans les R8, ça pue les vieux modèles. Bon, on va faire l'appel. Confortable. Alfred. Ah, mais il est là-bas, le Max. Ok. Il est encore là? Il est en train de courir, le noir. Ouais, il est en train de courir. Oh, il fait son Usain Bolt. C'est ce qu'il sait faire, hein, écoute. Par ça. La voiture de la touche, tu prends une balle. Il a dû voir un champ de coton qui a pas été récolté. Bien sorti ça. Ah bah, ils sont où les gens là ce soir? À Sofia. Y'a quoi, Sofia? T'as pas vu sur le site du gouvernement? Oh. Non. Bah, tu vas voir. C'est un truc qui a été posté ça? Hier, je crois. Hier? Ouais. Il y a eu un petit souci sur Sofia. Genre, on est arrivé, t'as vu une voiture piégée sur la route déjà. L'action a été effacée. Vous y êtes pas, vous deux? Nay. Ah, c'est quoi ces soldats qui restent planqués, quoi? Bon, je me joins à vous, hein. J'ai un plus beau... Vas-y, bah, on va sortir le ghosto que de sécu et puis on va y aller. Allez. Bon, Sam, tu peux revenir avec ma Skyline, s'il te plaît? Bon, le fort numéro 2, avec ma Skyline immédiatement. Wesh, y a un dieu là-bas. Ouais. Abattez-le, 3, 2, 1. Oh, il vient de disparaître. Ah non, je vois. Il est devant. Non, il est là. C'est qui? Oh, c'est Joe. Il est blanc. C'est Joe. Arrête de faire le con, il y a si tu vois le ciel. Ah, tu viens de loin, il était blanc et d'un coup il est devenu noir. Ouais. Tiens. Allez, arrête. Il y a Joe derrière. C'est pas moi. Ah bah il a disparu. Ok. Et là Mamadou. Arrête, t'as fait. Il est devenu blanc. Écoute, hein. Moi le mari maintenant, blanc. J'ai la pression. Vous aussi vous voyez blanc de loin? Non, moi je le vois noir. Je vois blanc. Attendez, quand il va s'éloigner. Bon, bien noir, bien noir. Hein. Noir comme du charbon. Ouais, je le vois pas. Monsieur, t'es passé à poil. Vas-y, en plus il a enlevé son slip là, l'autre il va te voir. Il va te mettre une belle tatane, tu vas voir. Remettez vos vêtements là, monsieur. Monsieur, remettez vos vêtements, c'est pas la Gay Pride en fait. Bah, par contre, tu vas pas insulter mon copain. On va parler un petit peu. Tu vas pas insulter mon copain parce que sinon. Il m'a traité de counard.
Bah oui, mais chien, là, vous essayez de mettre un chien mais non, j'essaie de te faire mon dégât. Ah, ouais. Bah, je crois que c'est Romain Escobar, il est en PDS. Eh ben, vas-y. Je vais te taper avec des barres. C'est Gustavo, je sais pas. Ah, t'as menacé mon copain là. Non, ah, c'est là, pas, c'est Romain Escobar. T'as menacé mon copain. Wow. Il a le kiff. Oh, il va où? Il va où là? Quelqu'un le rattrape? Oh punaise. Il est juste derrière. Il est là-dedans là. Écoute, bon allez Mamadou viens ici mais la masse de quoi? Ah Og elle coûte combien? 35 je crois. Qui c'est qui l'a mis ou quoi? Il garde le soleil qui est en train de bouder. En attente de donnage. Il est là-bas Mamadou, il fait le tour du quartier. De donnage de... Il a fait qu'il était chez lui ou quoi? Il y en a un qui boude de chez vous? Tu me reçois Tom? Oh ce chien. Putain merde. Moi je veux t'attendre Mamadou hein. Ça va être mon sentiment. Ouais. Ah y'a Kishu. Non. En vrai il a fait des... Quand est-ce là hein? Numéro ouais, de partir téléphone. Partir sur celle de base. Ouais. C'est que de la touche aura pas. Ouais. C'est drôle ça. Ça c'est vachement drôle. C'est quoi la vôtre tiens que je rigole? Ta mère.9. Wow. Non ma mère. Alors je t'apprends de quoi de ma mère? Son âge ou son poids? C'est une radio à 3 chiffres. Son poids. Alors son poids. 227. On va dire 102. 102. Ok. Papy vient pas. Merci chérie. Reçu, on est place K. Il fait quoi là du coup? Pardon? Il fait quoi là du coup à se balader là? Il va se faire écraser. Et il fait quoi? J'en sais rien. Je sais pas, c'est un teubé. C'est qui cette fois-ci? Pas moi. Et qu'est-ce qu'ils ont tous les recrues là? C'est Bougnoul. Oh là là là. Wow. Les recrues ce soir, allez. Ah, surtout Gustavo qui se fait bordel. Y'en a un qui va là-bas, y'en a un qui va là-bas. C'est un cache-cache en fait. Bah, je sais pas, Les gars, y'a Mamadou, il arrive. Là-bas. Y'a Mamadou. C'est un blanc, regarde, il est blond. Il est blond. Le premier qui l'attrape, il a 5 000 seulement, 5 millions. Eh, revenez les agents. Y'en a, ils y allaient vraiment quoi. Pendant 5 minutes, vous êtes des putains de crevards quoi. Il va sauter. Oui. Bah, j'en ai chez moi, t'inquiète, je suis en retour à Vegas, je t'en passe. Bah, je me rappelle plus trop, il a un port d'amnage sur la tête normalement. Il est gros. Il a pas de port d'amnage. Regarde, il va sauter. Il me semble qu'il a une chemise. Il a sauté. Après, ah, le coup. Il a sauté vraiment? Ouais, il a sauté, il a son cadavre par terre. Oh le boulet! Oh là c'est là qui là ça qui a sauté? Qui est concerné? Bah, c'est l'autre là, Maxime Boubou. Mamadou. Ouais, c'est Maxime Bamako. Ah, lui. Bah, il fait comme son arrière-grand-père. Oh la vache, putain. Comme il fait comme Nananas. Nananas. Nan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 
Non, dans l'autre. Ah, non, c'est pas grave, c'est bon. Ouais. Ah, c'est pareil. Non, c'est bon, tu peux revenir. Non, il y a Roman normalement qui. Non, reste dans notre voiture, JP il paye 1€, c'est. Bah, fermé, pas Jack. Eh, tu veux gagner ton procès alors tais-toi. Allez, on bouge. Bah, je vais intérêt à temps. Putain, le pompier il est fou. Direction là pour moi. Il est parti vers là-bas, Ezra. Ouais. Ouais. Je veux pas me partir, je suis bien fou. Par contre, t'as ça pas. Suit derrière. On va se prendre un excès de vitesse à essayer de le rattraper. Ouais, tu m'étonnes. Tu me pas bon balle, alors, contre Vegas. Je sais pas du tout. Bah ouais, je pense qu'on va aller prendre les lits. Ah bon. Ouais. Ça vient de passer ce soir pour toi, Jack. Ouais. Du coup, t'es passé notaire. Ouais, j'ai modifié ma page entreprise et j'attends l'accréditation du gouvernement. Ça consiste en quoi, le notaire fera des actes officiels notariés approuvés par le gouvernement, tout ce qui concerne les entreprises ou autres. Oh putain! Attends, bouge pas. Ouais, je sais pas, j'étais. Bon, ouais, on va chercher un recul. On s'est crashé. La gendarmerie. Sécuriser la route. Jamais... T'as un hyper kit ? Ouais, vas-y. On a une voiture bien fouée. Non, moi je l'avais pas. Moi j'en ai deux. Ça pardonne pas les blocs de béton. Ah bah non, tu m'étonnes. Nous on bouge, mais eux ils bougent pas. Hein. Ouais. Ils rigolent. Je vais de la lire là après. Ouais, héliport Kavala, c'est ça? Hein? On va à l'héliport Kavala. Hein. Il a quand même la pas de figure de mettre une plaine comme ça. Hein. Ouais. Bah, il va se faire démolir. Hein. Ah, bah ouais, je pense bien. Hein. Parce que moi, en plus, j'étais là et. Ah bah de toute façon oui. Il a payé, c'est non on est juste après l'héliport près du vendeur de cuivre. Ça marche. Près du vendeur de cuivre. Je crois que c'était eux qui arrivaient sur le côté de la. Bah je croyais qu'on allait à l'héliport. Ouais, je croyais aussi. La recrue, tu sais bien conduire? Ouais ça va. Bon bah écoute, je vais te laisser le volant. Non, comment te dire, j'ai un peu forcé sur l'apéro. Ah d'accord. De toute façon, je vais vous filer les clés au cas où. Ah oui, ils sont là-haut sur la route. On va prendre sur la gauche. Ouais, j'ai vu. Quand tu traverses. Donc William, t'as eu. Et la recrue, c'est qui? Gustavo. Gustavo, ok. Allez, on y va. Alors tu te reprennes Gustavo si tu veux rester à la Vegasin, tu le sais. Ouais, je sais ça. Ah c'est bon, les clés sont. C'est pas pour te casser les couilles que tu restes à la barrière, c'est comme ça, c'est tout. Tu l'as mérité ta place. Ouais je sais, t'inquiète pas. Et je comprends que c'est pas simple. Non. Waouh, eh oh. T'es con ou quoi? Je sais pas ce qu'il est, mais il l'est. Hein. Quand on est con, on est con. Allez, écoute. Chemise blanche, elle a pas de week avec Jack, vous pouvez faire le point écart, comme ça on sait qui a dans les patrouilles. Je reçois des coups de feu, je pense que j'ai retrouvé mon collègue. Bon, mais putain. Ouais. Position, monsieur. Ah, là, Judas Canvas, là, il commence à être chiant, lui, hein. Donc, on est
qu'est-ce qui t'arrive? Un peu de traitement de verre les gars sur les 30, allez-y. Je passe en off-road, les deux vous prenez pas. Ah, on devait prendre la route. On est en patrouille, Jack. Ah, en patrouille, on est en... Vous attend après le traitement de verre. Pour être pompier, ce serait bien de prendre un petit peu d'altitude la prochaine fois, s'il vous plaît. C'est où le traitement de verre? C'est... La prochaine, tu prends à droite. Non. Là, tu vas prendre à droite. Ouais. Tu veux passer interpellation, Jack ou... Ah merde, là, c'est le sable. Putain, je sais plus où est le traitement de verre. La sable, c'est vert. Ah bah oui, je suis con. Arrive doucement. Ok monsieur, vous nous attendez où? On arrive. Là je suis parti parce qu'il y a une BMW noire qui me faisait un peu peur. C'est Vegas. C'est pas là. Ah pardon. Quoi, il... Et bah là je vous attends vers la station service. Quoi c'est hélico pas là quoi? Chariot sur... Bah la station non? Je sais pas. Si mais je demande autorisation de l'aéroport de Kamala s'il vous plaît. C'est celui-là. Bien sûr que c'était la station service là-bas et pas l'autre. Oui, c'est moi. Alors, plus loin, vers la direction du bois, sur la gauche, il y a une BMW de luxe, ouais. Couleur marron. Voir un responsable des chemises blanches. Permission de mettre les masques à gaz? Oui. Permission. Je me conseiller. Ce que je propose, c'est que le civil nous montre le chemin et puis on arrive de tous les côtés. J'ai pas pris mon bob là-bas. Ouais, vous allez bien prendre la Moi je mets mon bob. J'ai pas de bob pour moi, plus grave. Monsieur a dit. Ouais, ok. Allez, montez dans vos patrouilles, on va partir en off-road. Il y a la BM avec. Oh, reçu. Allez, celui-là, la Jeep. T'as un autre sur soi? Il y a des HM en off-road là-haut, t'as vu? Ouais, je pense qu'ils vont ouvrir. Donc tu les colles pas trop. Non, c'est bon, on suit la patrouille. Patrouille aérienne sur soi. BM marron qu'il avait dit. Ouais, apparemment. Et c'est quoi en fait cette BM, elle a braqué la chaîne? Non, elle a tiré sur le gars qui était dans sa bagnole. Okay, celui qui s'est arrêté sur le bord de la route. Ok, on a la, ouais. On a la BM en vue là. Attention, les personnes ont tiré sans sommation sur la personne. Bien pris. Attends, il là, était loin de la BM. Approche-toi un peu, tu te remets sur la droite. Ouais, en bas à gauche, il y aurait des habitations, les individus seraient là.
Attends, les habitations sur notre droite. Descends, masque à gaz. Ouais, va te mettre là où ils sont. Tout le monde en murmuré. On se dispatch. Mets tes grands murmures. Monsieur, la voiture en face là, son buteur. On sort 120 là. Allez, descendez. Dispatchez-vous. Comme la voiture. Pensez à checker sur la droite, là, sur le flanc droit, les collines avec les installations. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sur le channel ? Ta chemise blanche, on est proche de la même, moi, c'est proche. Ok, Vegas, vous mettez à couvert, vous convergez vers les maisons. Vous pouvez nous couvrir entrer. Ah, affirme. C'est sur moi qu'elle est. Ok, c'est gendarme, c'est gendarme. Où ça, gendarme? Sur la mer. Sur un canal de la gendarmerie, et pas sur le canal des pompiers. Le canal des pompiers, c'est 50. C'est la gendarmerie qui est au niveau de la BM noire. Uniforme de gendarme, on va vérifier si c'est le gendarme. On approche discrètement des maisons. Vas-y, Kenry, je te couvre. RAS dans cette série. Vas-y, regroupe, Doc. Comment je suis sur toi? Il est où l'aspirant? Ok, la personne. La personne était retrouvée par la gendarmerie. Hein. Et puis de prise d'otage, du coup. On enlève le dispositif en ton EBM. Ah, aspirant. Dis-nous quand c'est comme ça, si tu restes. C'est bon, messieurs, on a retrouvé l'individu, hein, messieurs. Peut-être remonter dans mon estime, je t'avoue. Les gendarmes. Attention quand tu sors ton arme. On peut savoir ce qui se passe? Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. On peut savoir ce que vous faites au milieu d'un champ avec des lacrymogènes? Ah ouais, on a signé une prise d'otage, on est parti voir. D'accord, la prise d'otage était toujours par là-bas. Hein. Je sais pas, nous a dit en flanc de colline des maisons, du coup on a vu celle-là. La BM qui était garée juste à côté, ça correspondait. D'accord, bah non, c'était un petit peu plus loin, c'était un homme seul. Qui essayait de prendre l'otage de personne. Ah, voilà. Ça marche. On s'est rendu sur les lieux et le monsieur il a refusé de négocier avec nous, mais il nous donnait rien quoi. Il voulait pas nous parler, il voulait pas nous expliquer. Parce qu'il y a le civil qui était revenu nous chercher la sécu apeuré, il avait dit avoir repéré une BM dans les champs et qu'il s'était pris des tirs en s'enfonçant un petit peu dans la forêt. C'est quoi la BM? Ouais. Du coup, bah comme on a vu la BM, on pensait que c'était dans ces maisons-là, quoi. D'accord, bah y'a pas de soucis. Bah, bonne journée, merci quand même du déplacement. Pas de soucis, bonne journée à vous. Au revoir. Quand même. Ok, reçu. Demain, tu as un message. Test.
TAF radio. Ah, là, là. On passe en point 6 hein. TAF radio. Test. Reçu. Si elle me sent, demain je fais un message sur Vegas. Et un bon petit coup à la maison. Oui. Ouais, j'ai plus de saucisson à la maison. Ouais, moi aussi quand j'en ai acheté, les gosses ils ont tout bouffé. Ah, j'ai gueulé. Quand je suis rentré, j'ai gueulé. T'as l'habitude de voir mon petit verre de rouge avec mon petit saucisson. Ouais. J'ai eu dans le cul ce soir. Bah tu m'étonnes, c'est tellement bon ça. Hein? C'est tellement bon le saucisson. Avec un petit verre de rouge. Un petit verre de blanc. Pas tout seul. La bière j'ai arrêté, j'en buvais trop. Oh, une de temps en temps ça fait pas de mal. C'est de pas trop en boire. Ça fait grossir le vent. Ah ouais, comme j'essaie de rester bien, pas évident. Ah ouais, ils sont où les 20 ans? Ils sont où? Donc finalement, la bagnole marron, c'était la bagnole des Jean-Jean? Apparemment, ouais. Apparemment. Apparemment. C'est bizarre leur histoire aussi. Là. Ouais. Pensez à donner les clés à vos collègues. Ah bon, on a Romain qui s'est encore fait dégager. Ouais, il est encore dans notre voiture. Il y a des problèmes ouais. de cerveau. Ouais. Là, je m'absente 2 minutes. Là. Ok. Oula! Et c'est pas arrêté. J'avais pas. Il y a eu un crash à côté du virage de la mort. Une voiture à nous impliquée? Ouais. Ils sont morts? Non, c'est ma pote. Ils sont même pas arrêtés. Ouais, c'était moi qui t'ai pas sur le... On vous attend à la sortie des plans. De retour. Ah putain. Est-ce que j'aimerais pouvoir fumer chez moi tranquille? Ah ça. Je peux faire. Ah ouais, j'ai vu ça. L'avantage du célibat de temps en temps. Ah c'est clair, moi y'a personne qui fume donc. Bon après quand il faut faire la vaisselle, c'est moins marrant. Ah ouais, c'est... Pas trop le temps de la faire, quoi. Ah, tout à fait. T'inquiète, j'ai connu ça. Que tout homme dans sa vie, il a connu ça. Déjà, nous, en tant qu'anciens militaires, on sait ce que c'est, quoi. Eh oui. Donc là, c'est Go Vegas, alors. Ouais, je pense. Bah ça tombe bien, ça, on arrive pas loin de l'heure où je reprends l'avion. Tu vas partir là, je prends l'avion? Ouais, d'ici 20 minutes, une demi-heure. Ça va.
Ah oui, hein, faut pas oublier que sur le continent, il y a du boulot. Hein. Par contre, ma GoPro, je regarde parce que j'arrive pas à m'en servir correctement. Oh, wow. C'est passé là. Ah ouais, on est tard, ouais. Il a volé. Il a encore accroché à Zoïd. Hein. Tu l'as vu, Doc? Ouais, j'ai vu. C'était bizarre. C'est ma moto, pas touché. T'as eu ta formation de tir, toi, Gustavo? Ouais. Je l'ai eu le premier jour où je suis arrivé. Ah, à mon avis, on va aller voir Francis. Ouais, on prend pas la même route. Ouais, là, on va aller sur le groupe Omega. Oh là là, j'ai plein de deux yeux. Ouais, si ça peut te rassurer, moi aussi. Ah, ça va, ouais, ça me rassure. Des fois, je me pose des questions. Ah, je vais toucher du bois, mais ça fait longtemps que j'ai pas été casse-toi tu pu. Hein. Ah ouais. Ouais. Et pourtant, ma GoPro, j'ai augmenté la qualité. Hein. Je pensais que je serais casse-toi tu pu plus souvent. Et non, en fait, non. Et non. Donc, c'est un bon cerveau aussi. Ouais. Non, c'est que quand tu te prends un casse-toi tu pues, ça vient de l'île et ça vient pas de chez toi. Ah oui, d'accord. Ouais. Oh, ça m'est arrivé. Au début, je pensais que c'était dû à la qualité de ma GoPro et finalement, non. Parce que là, ça fait deux jours que j'ai augmenté la qualité et j'ai pas eu un seul casse-toi tu pues. Bah, tant mieux. Hein. Mm. Ah, moi, je vais changer de cerveau. Là. Et je suis décidé. Ah, moi je pense fin de l'année 2017. Ouais. Ah, il me faut un vrai cerveau là, j'ai un cerveau de substitution on va dire. Je vais me prendre un vrai cerveau. Mm. Pas quoi prendre encore, mais il y en a pas mal qui me plaisent. Non, c'est pas évident quoi. Non, c'est pas évident. Allez, Jean-Jean. Là, Jean-Jean, hein. Oui. Gendarmerie. Ah, j'aime bien fait. Waouh. C'est chelou ça. Comment on est ce soir? Moi je vois les différences de mes yeux entre la journée et le soir. Ouais. Ben. Même si t'as un bon cerveau. Ouais, c'est dû à la population sur l'île à un moment.
m'étonnerait, il y a leur hélico, il y a des intérimaires qui tournent et tout. Les gars, mais vous êtes vraiment des litards. Vous inquiétez pas, monsieur, la GoPro là qui tourne, vous inquiétez pas. Ouais, y'a Romain qui a une problème de cerveau. Ça va, tranquille, on tourne. Oh, son âme. Y'a toujours un cadavre, sinon un seul. Comme je dis, monsieur le gendarme est occupé, sinon envoyez un message aux pompiers, s'il vous plaît. Azra. Ouais. J'ai communiqué sur la radio, je vous le disais. Français, c'est ton assaut. Messieurs, bonjour. Au complexe de l'Altawa. Non, pas spécialement, on venait faire bonjour. Il est occupé, ça. Ils arrivent. Oh là. Elle va sur la tête, on va procéder une fouille. Elle va sur la tête, on va procéder une fouille, s'il vous plaît. Oui, j'ai juste un polo. Quelles sont vos raisons pour rentrer ici, messieurs? C'est la reine. Oh les gars. Salut Francis. Tu peux pas m'écraser. Tu serais mort. C'est toujours Noël, Francis. Je vais garder ça pour les années. Jusqu'à vendredi. Ah, vendredi, j'enlève. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu fais d'abord? Oh, spécial. Non, je suis en train de aussi. Il y en a protégé sur. Vivement vendredi soir. Ouais, je sais, mais ça n'a pas le choix. Ça arrive un jour ou l'autre. Oh ben c'est pour ça va pas tourner en notre défaveur, hein, de toute façon. Je ne pense pas. Je pense que nous autres on est tout fait au début pour l'aider, puis c'est lui qui a pas rien voulu savoir. Hein. Ouais, et tu m'as quand même laissé insister à la fin, j'ai quand même continué, tu vois. Mais. Mm-hmm. Ah, mais je l'avais dit, hein, on le voyait à un moment donné que ça s'avait dégradé. Dommage, hein, comme je dis. Il y a des entreprises, il y a son secteur, on a réussi notre secteur, puis tout le monde serait bien entendu, on serait entraidé. Mais il a voulu le faire différemment, fait que c'est ça qui arrive. Wow, l'autre il commence à me saouler, à me harceler pour ses clopes là. J'ai jeté ses foutes au cul là. Ben monsieur le distributeur de clopes est là aujourd'hui, là, de cigares et de cigarettes. Il est sur l'île. Fait que si t'en as besoin. Non, j'en ai, mais il y en a un qui me harcèle là. Pour ouais. Ok. Oh. Je sais pas si t'avais parlé, Ezra, j'étais en discussion avec pour les véhicules qu'on avait parlé, j'étais en train de proposer. Quoi? T'as une discussion, tu m'as pas mis dedans? Oh là là, je croyais qu'on était vigiles tous ensemble. Ah, ouais, ah bah je vois que voilà, vous travaillez dans votre coin, hein. On m'ajoute pas dans les demandes. Hein. C'est hein. T'en baise. Seigneur Dieu, hein, Helicobit. Je vais te la demander si tu m'en as parlé. Ah, mais que quelqu'un monte. Non, moi je te fais confiance, hein. Si t'as des demandes à faire, je sais que c'est pas rien. De toute façon, c'est Suburban et l'Audi qu'on avait demandé, tu te rappelles? Ouais, si on avait ouais l'Audi j'aimerais bien, le Suburban. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ouais, pourquoi pas? Mais c'est pour le fun, C'est ça. Ouais. C'est pour avoir c'est un. C'est sur la 30 ou sur la notre fun, radio. C'était d'avoir une voiture et un camion, c'est tout. En fait, si tu le veux, bah moi ça m'arrange pas. Hein. Après, si on l'a pas, ça m'arrange pas du tout, je pense. Ouais, mais c'est pour faire le grand ménage une fois pour tout le truc. Après ça va être fini. Ouais. Avec une voiture, un camion, par contre. Qu'est-ce que t'en penses des bérets Camille Fontaine? Allo? J'ai le temps de checker vite, mais j'ai pas le temps de regarder assez vite. J'ai fait boîte à idées, je dis bah dans ce cas là, si on les prend tous, ça passe. Oh le trou de cul, tu vas arrêter sur la 30. Oh putain. Un mec serait énervé aujourd'hui, je pense qu'il neige-tu dans votre coin? Il va y avoir une tempête? Non, il neige-tu pas. Bonjour. Il neige pas. Bonjour. Peut-être que c'est quand c'est un qu'il y a une tempête qui va arriver, tout le monde. Il fait pas très bon chez nous, ouais. Et Greg? En Belgique, ouais. Il neige en Belgique? Ouais, il neige, pour voir. Ouais, comme ça. Comme je te disais, la seule chose, j'avais pas eu le temps on avait parlé un petit peu vite, c'était. Si jamais ils disaient une peinture pour toutes les entreprises, ça te dérangerait pas, toi? Non. Pour une peinture, c'est plus basique? Ouais, c'est ça. Comme non, les camions, tant qu'on me confond pas avec la brique, c'est bon. C'est ça. C'est ça. J'ai leur demandé s'ils voulaient une peinture par entreprise, la seule chose qu'on peut répondre encore. Après, de toute façon, pour les demandes d'ajout, tu fais, hein, t'es pas obligé de me mettre dedans, je te fais confiance. Ah, ben je pars juste à la discussion, puis une fois qu'on est égaux, je rajoute tout, puis là vous dites vos peintures, ouais. T'inquiète. Au début, c'est juste eux qui parlent pour dire s'ils veulent ou ils veulent pas, c'est pour ça. Ouais, après, la peinture Vegas, elle existe déjà, faudra les réadapter, je pense. Mais ça va pouvoir se faire.
c'est pas aujourd'hui. Ouais, monsieur. What? Tiens. Viens, bah oui, si tu peux me livrer mon sable. Ah oui, regarde, il y en a par terre, Francis. Et au fait, j'en profite hein, pour vous dire qu'officiellement, je suis notaire. Ouais, t'as l'enculé qui prend tout le parti en faisant rien. C'est ça. Non, ça c'est JP. Ça c'est JP, oui. Allez. Les impôts, on l'a vu, on a vu ton message. T'es enregistré, t'es dans un king. Le mec qui gagne 3 millions en une signature. Ouais, avocat notaire, mais tu sais que je l'ai ramassé, c'est encore un petit avocaillon de merde dans les poubelles de Kavala. Hein. N'importe. Diffamation, maréchal. S'il est là où il est maintenant, c'est grâce à moi. Je l'ai sorti de son trou de Kavala, je l'ai mis à Vegas, mais à la mairie de Sofia. En résumé, il a sucé la bonne bite, quoi. Ah, c'est ça. Alors là, messieurs, c'est diffamation, ouais, c'est même pas vrai. Allez, ça va, c'est bon. Elle a marre. Je vais changer de groupe, je vais aller à la bodyguard. Alors là. Faut pas que ce soit mieux. Ah, Francis, à mon avis, faut pas le prendre. Hein. Ouais, le prends pas, tu vas avoir à penser au cul parce qu'il va arnaquer des intérêts. Qui va manger en tant que PDG de Vegas? Bah, c'est toi, bien sûr, bah oui, ça. Ah, c'est gentil, Ezra, d'encourager tes agents. Des aider. Ouais, la TMR qui me dit, monsieur, y'a pas assez. Bah, si, y'a assez en fait. C'est ça. Ouais, t'es pas bien compté. De toute façon, avec les nouveaux prix, hein, maintenant, bruit, vont chialer. Hein. Ouais. Ah, bah, on va ça devoir baisser les salaires. Hein. Proportionnel. Bah, non. Alors, maintenant, j'ai payé 100 000. C'était déjà pas très haut pour JP. J'ai payé 1000 pour aller trader le sac maintenant. Il est sûr de pas les. Beaucoup. Ouais, c'est assez, mais là, j'en suis. Tu fais ton prix de camion actuellement, t'en moins 10%. Mmh. Non mais pour... je vais certainement baisser le... À dire que là le bijou il est au maximum. Ouais, je faut s'ajouter avec les nouvelles bourses. Ah. On est juste de changer nos prix, ça peut chier. C'est le vin, on a vendu des sacs à dos, je pétais à la bourse du vin, puis il a remonté tout de suite, pas direct, au maximum. C'est à cause du cuivre. Le seul traité sera 1611 à chaque fois. Ok, d'accord. Ouais, c'est chaud, tu veux dire que le bijou il est en max. T'as qu'à le vendre aux entreprises. Ah, je le vends à combien? 1800? Il a perdu quasiment 1700, ouais. 1690 bijou. Ah non, mais je vais pas vous péter la tête, comme je dis, baissez vos tarifs de 10%. Oh. Et, c'est aussi facile que ça. Ah, t'as Richard et Maxime vont baisser leur prix, donc oui. Je vais racheter moins cher, donc je vais techniquement. Tu vas juste faire moins cher à la fin de la bourse et tout. Tu vas payer moins cher, mais tu vas faire moins cher. C'est juste en fait, tu vas avoir des moins gros chiffres et tout. Je vais me faire moins de fric rapidement, quoi, c'est tout. C'est ça, c'est ça. Je suis comme moi, disons, je vais faire mon vin à 1300, à 1500 à la ménage. Ah, ça n'est pas rebelle. C'est rebelle, hein. Non, je retourne à être assez haut. Personne ne se répète. Pas de pied. Personne ne se répète. Je ne sais pas toi. Bon, ça se peut, mais. Et là, faut que je vois Dom, là, les chemises blanches, je suis en complainte d'infraction du décret. Ouais, qu'est-ce qu'ils font de pas bon encore là? Ils se baladent d'armes à la main. Parce qu'il y a là, ils interviennent à la place de la gendarmerie. Ouais, mais je faut qu'ils ne pas qu'ils trop loin. On les encourage à venir travailler, mais. Déjà, ils sont limités à la MP5 normalement. Ouais, mais je comprends pas. Je peux comprendre leur chef, oui, ok, une arme plus haute, mais tous les autres sont en MP5. Ils font du close, de toute façon, ils font de la rue. Ils ont pas besoin d'avoir. MP90 maximum, voilà quoi. Je sais pas, vraiment ça leur a influence d'avoir une plus grosse arme. As-tu des nouvelles pour le petit merdeux tantôt sur la radio sécurisée? Oh. Non. Par contre, je sais qu'Isaac il a trouvé qui c'était qui vendait les armes. Ah, parce que je lui ai dit qu'il y avait une transaction financière qui a été faite, du coup Isaac il l'a trouvé. J'ai regardé qui a reçu l'argent, puis c'est fini. Ouais, tant mieux, comme je dis, faut le faire à fur et à mesure, hein. Mais ça fait longtemps qu'on n'a plus le problème, donc j'espère que ça. Qu'il n'y en a pas qui a trouvé un filon puis il va l'utiliser. Oh. T'as les intérimaires au traitement là? J'en ai deux. Ouais, ils sont en train de finir à traiter. J'en ai juste trois. J'en ai un qui récolte puis d'autres traitements. Bonne soirée, Pabito. À plus, Pabito. Bonsoir. On sort tranquille, hein. C'est la semaine la plus tranquille que j'ai jamais vue. Hein. Ouais. On va le côté avec, JP. Je pense. Ah, plus JP. Ouais. J'imagine. De toute façon, vous avez le choix de vous asseoir en rond ou soit aller faire d'autres choses.
En fait, y'a rien à faire. Ouais, moi j'allais prendre l'avion aussi de toute façon. Oh. Radio. Pas trop en dessous. Radio. Ça doit être Max. Ça doit être Max qui tapait son clavier. Son téléphone, il tapait trop fort son téléphone, ça me fait désirer. On va aller faire un tour, on va aller retourner à Vegas tranquillement. Ouais, j'ai nous autres. Allez, à plus tard, les gars. Y'a pas de problème, si tout est tranquille. Oh, le notaire de mes deux là. Vous garez ma voiture dans Vegas, je la rangerai demain. Ouais, bref, vous la garez. Collé le ministre de. Là, je passe ici aussi, tu veux. Bon, j'ai tous mes agents. Mais... Attention, attention, les deux camions arrivent, hein. Pour qu'ils ouvrent dedans. Ça, c'est du petit nouveau, hein. Ça fait un peu que je fais affaire avec eux. Oh, j'ai plus que ça, quand même. Allez, on va vérifier. Encore un code. Ah, pour moi, on essaie. Ouais. Elle est magique. Ouais, c'est bon. Mais t'es de neuf quoi. Ouais, c'est toujours dans le même, j'ai même eu le même problème la fin de semaine, on était beaucoup au début, pas à la fin on n'est plus personne. Ouais. Allez, bonne soirée à vous, à bientôt.